Salut tout le monde, c'est Maxentude, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Hitman Absolution pour l'épisode numéro 3. Alors la dernière fois on avait fait on était en mode dealer et tout, on avait volé les habits d'un dealer et tout, c'était vraiment marrant. Et on était arrivé là, dans cette sorte d'hôtel ou je sais pas quoi. Oh. Oh. On t'a pas appris à frapper avant d'entrer ? Ah ouais d'accord, lui c'est un des seuls qui peut nous arrêter. C'est qui lui? C'est un flic? Un détective privé? Oh putain, je le crois pas. Oh, c'est qui alors? C'est pas un détective privé, c'est un putain de fantôme, c'est une légende, le tueur parfait. Oh la vache. Mais putain, mais de quoi tu parles? Ce type, ça change tout, putain, ça... Ça change tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Bonjour, service d'étage. Oh, merde. Ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'improvise. Buenas dias, Pepita. Bonjour. Écoutez, on a mis un peu de désordre. Vous devriez nettoyer tout ça. Pour... Oui, s'il vous plaît. Nettoyez maintenant. Bien sûr. Entre, ma jolie. Oh, mon Dieu. C'est oh putain. Ok. T'es un malade, tu me dégoûtes. En tout cas, j'ai pas perdu la main. Tu sais. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de te buter de mes mains. Moi, tuer le légendaire assassin. Oui, mais je suis pas sûr que ça servirait mes intérêts. Alors, non. Oh non. Mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Je me demande qui vont bien pouvoir accuser. Toi. Ouais, j'ai vraiment il faut le tuer, hein. De m'envoyer des fleurs. Mais putain, je suis un génie. Un putain de génie. Tiens, si tu veux boire. Non. Tout bien réfléchi. À la tienne, enfoiré. Blake, s'il te plaît, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Allez, chérie, tu ferais mieux de te bouger le train. C'est une brute de Sensro, lui. Voilà, bon, le feu, ça va le réveiller, quand même. Ah. Mais il est resté longtemps, hein. De toute façon, j'en ai déjà tué des femmes de ménage. Juste avant. Ah! Même si c'est les pompiers, c'est un peu con de laisser tout cramer. Arrêtez, police! Ah, c'est les policiers. Ok. Run for your life! On va devoir s'échapper. C'est la police! Ouvrez! Je répète, police! On va passer vite fait par la fenêtre. Allez hop! Wow! Oh, ils m'ont déjà vu. Tant qu'il tire pas. Ouais, si j'étais resté, je serais mort, hein, les mecs. MG, pourquoi je dois monter? Fou, le ralenti. Ah, j'ai plus ma corde à piano. Invisible, bah ouais. Ok, je vais me déguiser en lui. Déjà, c'est mieux. Waouh, déguisement suspect, comment ça se fait? Allez. Casser la porte. Non, on est bien habillé en flic. Il était pas obligé de sauter. Mais c'était pour le badass.
Oh si, en fait, il était obligé. En fait. Tout est en ordre. La vitre, elle s'est pétée, mais tout est en ordre. D'accord. Alors on descend. Il va falloir quitter la bibliothèque. On va passer par là. Là on peut rentrer. Bon, déjà je suis en habit de flic donc c'est un peu moins flag. Hop, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Fuck. Ah bah d'accord, je pense que ça va recommencer puisque je vais me faire tuer. Mais oh, mais le QTE, j'appuie toujours sur les mauvaises touches. Ouais. Ah bon, voilà, je me suis fait tuer. Je sais qu'il faut pas les attaquer, c'est sûr. Ouais, c'est sûr qu'on est un pas, on puisse pas enlever l'arme en fait. Alors, est-ce que par là on peut passer quelque part? Non, ok, ils bougent pas eux. Non. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh shit! Ouf. Okay. On les contourne. Ah, là il y a un checkpoint. On va venir le prendre. Oula. Ah non, ça va. Oh, je peux pas passer là. Non, il s'est vu. Oh, je pensais pas qu'il me verrait. Aïe, ah mais ça fait mal. Ouais, je peux pas passer, il y a trop de flics. Attendez, peut-être que, mais non, ils savent que je suis là déjà alors. Non, si, ils savent que je suis là. C'est au-dessus en plus alors. Ah là, il y a des escaliers. Oh fuck. Aïe. Hop. Ah d'accord. Merde. Mais genre j'ai regardé sur la map avant de tuer le gars et il y avait personne autour de lui donc. Ok, donc là il y a moins de monde déjà autour de moi. C'est déjà une bonne chose. Hop là, un ciseau, c'est peut-être pas bien. Non, il me voit pas là. Ok. Monsieur, votre comportement est plus que suspect. Arrêtez ça. Il paraît que ce type est bien entraîné. Il y a peu de chance pour qu'il passe par une porte. Il va falloir couvrir les lignes. Mais je peux pas passer là. C'est... Oh, mais merde, ils sont partout. Monsieur, vous avez quelque chose à cacher? Qu'est-ce qu'il fait? Je peux lui lancer, hein, ouais. Ok, donc déjà, ça c'est bon. C'est le même déguisement, hein. Moi je le reprends au cas où. Oui, c'était le même. Alors je vais le traîner. Hop là. Pour le cacher là-dedans. Ah, au cas où. Wow, wow, wow. Non, tu ne m'as pas vu.
Oh là, il y a un truc. Du coup, tout le monde est attiré par là, c'est chiant. Je sais pas à quoi ça servait de le faire tomber, par les attirer pour rien. Lui, il avance. Il faudrait juste que je passe derrière. Comment il me voit là? Je sais pas comment ils font pour me reconnaître de si loin. Et comment je suis censé passer? Ok. Là, ils restent en plein milieu, les mecs. Ah. Là, c'est ma chance de passer. J'y suis. Oula, oula, oula. Hop là. Là, il n'y a rien. Par contre, je sais qu'il y avait un escalier là-bas. Voilà. On monte tranquillement. Là, on va faire gaffe de ne pas se faire spotter. Quoi? Genre ils m'ont retrouvé, ils m'ont trouvé, enfin ils m'ont entendu. Depuis quand? Oh what? Ah. Hop là. Ok, on va devoir passer de l'autre côté. Oh, je peux détacher le lustre, ça c'est bien. Oh, il y avait des victimes en bas. Ah ok. Ça servait à rien, mais bon. Allez, on est sorti. Par contre, ils nous voient assez vite, hein, les mecs. Là, je peux noter. Slasher. Ils nous reconnaissent assez vite, ouais. On dirait qu'ils connaissent leur collègue par cœur. Là, il y a un hélico là. Il me tire dessus. Il me voit pas là à travers. Si. Ouais, d'accord, il est juste là, hélico. Hop. Ok. Alors l'hélico il fait n'importe quoi. Il pousse tout. Shit, vite. Ok. Alors. Ok, il a abandonné. Nice. Ah non, même pas. Il est sur l'autre bâtiment. Il sait que je suis là. Oh, c'est nul. Bon, on va essayer de pas se faire repérer alors. Allez, dépêche-toi. Ah, là c'est l'épisode du fail par rapport aux autres. Allez, c'est bon. On n'est pas repéré. J'espère. Voilà. Des nouvelles de l'unité au sol? Ils fouillent la bibliothèque. Mais à mon avis, ils perdent leur temps. Pourquoi ils visent leur moi tout le temps? Probablement hein. Toujours dans l'hôtel, en train de cramer. Oh shit. Non mais regarde pas par là toi, putain. J'ai besoin de passer si tu bouges pas, voilà.
Allez, repart de l'autre côté. Casser la porte. Peace and love. Ouah, tous les ennemis qu'il y a là. Avant que ce soit juste des personnes. Enfin, c'est juste des personnes. On va quand même faire gaffe. What? Les enfoirés! Alors est-ce que. Ok, là il y a des. Ils vont finir par me trouver. Éviter la police. Vous êtes dans la merde jusqu'au cou, les gars. Ok, les plantes de cannabis. On n'a rien fait de mal. C'est purement médical. Médical? Ah, tu te fous de ma gueule? C'est tout un écosystème que t'as fait pour. What? Mais ils disent que je suis caché. Putain. Allez, fous-moi le camp. Va mettre un peu de parfum, tu pues la dope. Je vous embarque, toi et tes petits copains. Allez, passe contre le mur. Écarte les jambes. Flingue-toi, on va faire ça. Ouh, fin de checkpoint. Un bong. Sérieusement. Vous savez pas la meilleure? Je suis venu ici il y a 2 semaines pour une querelle de ménage. Et le propriétaire se plaignait que le bâtiment puait la résine de pin. Et ben maintenant on sait pourquoi. Ok. Premier soin, nice. C'est vide maintenant. Ouais, bah je m'en doute, tu les as tous pris. Pourquoi je peux pas passer par-dessus à chaque fois? Moi je veux. Ok. Alors là, il y a plein d'endroits à regarder, mais. Oula. On peut pas trop après. Eh, hey, écoutez, on n'est pas là pour vous. Le type qu'on cherche est. Je suis peut-être passé du mauvais côté là. Non, je peux quand même. Non, d'accord. Faut que je revienne alors. Les potes qu'on retrouvera bientôt sur les murs. Alors tu nous laisses entrer. Besoin d'une diversion. Ah, des bouteilles déjà. Wow. Je peux pas lui lancer? Ah. Oh, mais bien sûr. Oh, eux, ils ont vu, quoi. Je me casse. Je suis jamais venu par là. La combinaison du coffre. On peut pas juste le maîtriser ou on est obligé de lui briser le cou? Moi je crois que je suis obligé de lui briser le cou. C'est le même déguisement. Waouh. Non, ça va, il est pas dans la même pièce. Je suis à la sortie. Nice. Police esquivée. Et ouais. Et ouais, c'est ça le talent. Missing. Oh, c'est pas grave. Pourquoi ils sont tous en train de courir? Ils sont tous en train de monter pour moi, genre. Ouais, il était là-haut en fait. Mais non, je suis descendu. Ah. Police esquivée, y a rien par là, hein, ouais. Et je fais comment là, genre. Oh mais ils me voient là, ils vont me. Genre si je passe et que je fais comme ça, ouais, il fait comme ça, génial. Monsieur, je peux vous parler une minute? Mais voilà, c'est ce que je disais. Montrez-moi votre visage. Arrêtez-vous. Retournez-vous. Je le répéterai pas, arrêtez-vous maintenant! Je ne vous connais pas,
Oh mais putain. Mais what? Mais pas avec plein de mecs comme ça, putain. Pourquoi il a commencé à attaquer? Bon bah tuez-moi, putain. Mais comment t'es censé passer avec tous ces mecs? C'est vrai que tu me tues même pas là. Comment on est censé passer avec autant de flics? Je pense qu'on n'est pas obligé de passer par là. Ah bah voilà, déjà il y avait une porte ici. Ce sera mieux par là, hein. Oula. Ok. Déguisement, je vais te prendre le tien, allez. Il est mieux que le mien, je pense. Enfin, je sais pas en fait. Allez, hop. On va te ranger. Ça fait bizarre de dire ça à des mecs. Et mon couteau, je l'ai perdu du coup. Ah oui, mais je l'ai jeté dans la tête du gars et après je l'ai pas repris en fait. Ok. Wow, wow, wow. Alors, comment je fais pour les rentrer? Je suis obligé de le laisser sortir? Enfin, sorti plutôt. Une barre de fer. Ouais, j'ai trouvé la sortie. Ok, déjà. Ouais, j'ai pas besoin de rêver. C'est quoi? C'était quoi qui avait quoi? Bouclier humain. Oh, non, je veux pas faire ça, ça fait trop flag. Il faut aller où? Par là-bas. Voilà, on avance un peu plus vite, y'a plus de garde là. Faut monter ou il faut aller en bas? Non, comment je passe devant tout le monde? Ah mais là y'a des gardes dedans. Ah, je peux passer par le rebord. Ok, y'a personne. J'espère. Je vais sortir de là, je viendrai en courant. Je sais qu'on doit faire ça pour pouvoir. Hey, c'était mon idée, je te rappelle. Allez, on grimpe. C'était là, ouais. Écoutez, ils nous ont donné l'ordre d'arrêter tous les trains. Je crois qu'ils enquêtent sur un meurtre. Je te ferai jamais ça. J'ai déjà fermé toutes les voies. Je sais pas. Ouais, je suis sûr qu'ils ont droit. C'est la police. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas envie de perdre mon job. Ouais, il a. Je pense que. Gueuler sur quelqu'un. J'ai déjà 400 voyageurs en colère sur les bras, moi. C'est pas grave. Connard. Mais rappelle-toi. Connard. Ouais, ouais. Pensez une seconde. Et là, il faut redescendre. Ok, on va devoir attendre le prochain train. Salut. Je repasse par là, moi. Hop. Yeah. Faut aller de l'autre côté par contre. Ok, c'est par là-bas. Bougez. Hop, vas-y. Voilà, c'est mieux. Quand on passe près des gardes, il faut faire le truc là pour ralentir le temps là et comme ça on passe mieux. Se cacher. Attends, c'est quoi? Genre il joue? Oh non, d'accord. On va le laisser passer, voilà. Ok. C'est chiant qu'il y ait il soit partout. Ok, God it. Oui, hop. En 60 secondes. Si vous voulez courir, allez au parc. Ouais, non. Je vais me mettre là. 45 secondes.
Je sais pas pourquoi à chaque fois on peut mettre bouclier humain, mais j'ai toujours un flingue dehors moi. Ok. Je peux pas les ranger, ou alors il y a peut-être une touche, mais je sais pas laquelle c'est. Je suis juste un peu en habit de flic, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était sur sa moto. Ça a l'air de bien passer. Allez. Après 15 secondes là. Est-ce qu'il va se réveiller ou... Pas 15 secondes. Merde, je suis coincé à la gare. J'en ai aucune. Allez, je peux le faire, petit train. Ok. Ouais, j'arrive dès que possible. De quel côté? Ouais. Dis à Betty que je pensais. J'espère que c'est vrai. Ouais. D'accord. Là, c'est là-bas. Ouais, central. Ouais, j'ai un train qui vient de s'arrêter pour la B. Contactez immédiatement le personnel de la gare. Ouais, on est tous en train d'attendre pour rentrer. Je suis dedans en premier, quoi. Ah, je suis tout seul à rentrer. Allez, je me suis cassé d'ici là. Mais c'est nice, ça s'est bien passé. À part que j'ai fail quelques fois. Suppression de la douleur 1. Réduit le temps dont 47 a besoin pour se remettre des blessures. Oh, nice. Niveau suivant, accroît la résistance aux dégâts de 47. Suivant. Expertise tire à deux mains. Minimise la perte de précision lors du maniement à deux mains de pistolet et pistolet mitrailleur. Niveau suivant, c'est accroît la cadence de tir lors du tir à deux mains avec des pistolets. Accroît la valeur d'instinct obtenu. Ok, nice. Accroît les ouvertures de combat rapprochées. Ah, il a plein de nouveaux trucs alors. Suivant, ok. Nice. Voilà. Voilà, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Il y avait plein de trucs, hein, bien sûr, comme d'hab. Mais je peux pas tout faire. Hein. Celui qui fait tout dans la première fois quand il a jamais fait le niveau, c'est que voilà. C'est un petit boss, ou alors il regarde les astuces, quoi. Mais bon. J'espère que cet épisode vous a plu, laissez un petit j'aime et un commentaire, ça me ferait plaisir, et nous on se retrouve pour un prochain épisode, allez salut !